Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo présentation de papier. Alors voici une collection sur laquelle j'ai complètement craqué. Pourtant, à la base, c'est pas vraiment mon univers. Il s'agit de la collection Enchanted World Following Alice. J'ai craqué. Les dessins sont absolument magnifiques. Et très détaillé, voilà, on va dire. Donc, cette collection se décline en feuilles de riz, en feuilles à l'unité, en bloc 30-30, en bloc 15-30, en bloc 20-20. Donc, pour ma part, j'ai choisi de la prendre pour l'atelier. Je vous ferai des créations avec. Je vais vous montrer en détail les papiers. Donc là, il s'agit du bloc 30-30. Donc ce bloc, c'est du papier de 250 grammes et ce sont des blocs de 6 feuilles. Là, je vous montre que le papier 15-30 présente des motifs à l'arrière. Donc surtout, ne pas le jeter. Et sur les feuilles 30-30, il y a un côté avec des motifs et un côté plus, on va dire, pattern. Voilà, ici je vous montre que c'est l'envers en fait du papier de présentation de la collection. Bon, pour le bloc 20-20, c'est les mêmes papiers, sauf qu'il y a 12 feuilles et elles sont en 190 grammes. Ici, c'est le bloc en 15-30, donc il y a deux petits motifs à découper derrière le papier de présentation. Chaque feuille est en double exemplaire. Donc, ce sont des die cuts à découper. Donc, ils sont ou sur fond blanc ou sur fond ici légèrement coloré. Sur le fond légèrement coloré, l'avantage c'est qu'il y a des contours pour découper, ce qui facilite le travail. Là aussi, vous pouvez voir, il y a beaucoup de détails et les dessins sont juste fabuleux.
J'ai choisi la feuille à l'unité qui représente les cartes à jouer, parce que je me suis dit que ça pouvait faire de très jolis embellissements pour un album, par exemple, mais aussi, pourquoi pas, créer des cartes, des fonds, enfin, pour aller dessus, enfin, sur des tags, des choses comme ça. Et les feuilles de riz, pareil. Donc là, j'ai une idée de projet avec. J'en ai pris une de chaque également. C'est pareil, les motifs sont superbes. Les détails sont bien là. Et les couleurs sont top aussi. Le cardstock que j'ai choisi pour aller avec cette collection est la couleur lion. Je trouve qu'elle ira très bien avec. Elle fera ressortir les motifs. Je n'ai choisi qu'une seule couleur parce que je souhaite vraiment que les motifs ressortent. Voilà pour cette collection juste magnifique que j'adore. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes créations et je vous dis à bientôt.